Puisqu'on est OK, au niveau du chrono, on est pas mal. Vous voyez qu'on va partir à l'heure pile. Et on est bon. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Aïe, aïe, avec le sourire. Hein. Oui, toujours tout au long, parce qu'il y a des photos, des vidéos, etc. etc. À tout à l'heure. Hey, bonjour et bienvenue à Poudinx pour la 6e édition des Foulées Poudinxoises, organisée par le sympathique et dynamique comité des fêtes qui organise cette 6e édition donc pour reverser les bénéfices à l'association La Holly qui œuvre pour les malades tout au long de l'année en venant améliorer leur quotidien. Voilà, par différents ateliers, il y a du sport mais aussi la cuisine, couture, etc. etc. Et on a 94 concurrents ce matin avec une petite pluie fine, mais il fait bon à Poudinx. On va se rendre compte d'ailleurs que les landes ne sont pas tout à fait plates puisqu'on a deux grosses difficultés sur le circuit, du 10 notamment, avec deux ravitaux, 4e et 8e, pour les désaltérer un petit peu et redonner un petit peu de sucre rapide. Parce que oui, les landes ne sont pas plates, on a 140 mètres de dénivelé positif sur le 10 km, et c'est pas rien. Je peux vous assurer qu'à l'arrivée, on discutera avec les concurrents. On aura donc tout à l'heure la petite buvette pour récupérer un petit peu avec des sandwichs, des frites, et on aura passé encore un très bon moment pour cette 6e édition. On regardera un petit peu les chronos, on va récompenser les trois premiers les trois premières de chaque course, et puis pour les chanceux, il y aura un tirage au sort tout à l'heure avec de chouettes lots grâce à des partenaires encore généreux mais aussi fidèles après la période difficile qu'on vient de traverser. Et puis on est aujourd'hui sur la première étape du challenge landais des courses sur route organisée et patronnée un petit peu par le CDCHX40 dont la présidente est là. Elle prendra la parole avec également la présidente de la Holly et monsieur le maire, et là on aura fait le tour, on aura tout. Donc Stéphane Crabos, club de l'APA Jogging, club de course de Saint-Sever. On est venu à Poudinx pour participer à cette course au profit de la Holly. La Holly qui est une association sur Agedmo qui fait beaucoup d'actions au profit du cancer, de la lutte contre le cancer. Donc le club de Saint-Sever, l'APA Jogging, on est un club de 60 adhérents. On essaie de se déplacer pour les courses locales et encore plus quand il y a une action caritative liée à la course. Et on est organisateur de la course de la Chandeleur qui a lieu le 5 février, qui sera la deuxième étape du challenge de course hors stade. La première étape étant aujourd'hui la course des 10 km et des 6 km de Poudinx. Je vais mourir. Mais non, allez, ça va aller. C'est pas bon, je vais faire ça. Allez, bois un coup, bois un coup. Vous avez la poubelle ici. Et vous arrêtez pas avant la côte là. Oui, oui, oui. Il y a la poubelle un peu plus loin. Allez, 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 courage.